Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve avec toute la clique, avec Valkyrie, Alicia et Gimli, pour la suite de notre aventure, notre donjon, sur Dragon's Dogma. Dark Arisen. Qu'est-ce que c'est, de la laine? Donc ben voilà, on va continuer et finir ce donjon-là. Joyeux du temps. Je pense après que ça va être la dernière vidéo que je vais faire sur Dragon's Dogma. C'est pas un let's play. C'est pas un let's play que je vais faire parce que le jeu est quand même assez long. Et en let's play, ça serait vraiment très très long. Ouh, ça sent les petits trucs comme ça là. Ça me fait penser à un piège, tu vois. Bizarrement, comme ça me fait penser à un piège. On casse tout. On casse tout. Une petite bourse. Encore une petite bourse. Y'a rien d'autre, y'a rien d'autre. Ah, bah une grosse bourse, tiens. Plein de petites bourses. Non, c'est le donjon de la richesse ici. C'est vrai que les morts-vivants, ils ont beaucoup d'argent en fait. Hein. Je croirais pas comme ça, mais. Ils ont quasiment autant de. Tiens, j'ai pas regardé si ça allait à ma collègue là. Ça fait penser, j'ai récupéré un équipement. Du poison. Fiole de poison. Ouais, c'est dans équipement. Ça, c'est un truc. Dans équipement, déjà, est-ce que j'ai mon arme? Ça m'étonnerait qu'elle soit meilleure. Même si là, elle a style. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Refroidit jamais. Éternellement enchanté par le feu. Mais ça, c'est bien. Même si c'est moins fort, je veux bien le prendre. Je veux bien le prendre. Ça va pour les mages. Donc, je vais la donner à ma collègue. Oh, j'aime bien l'arme comme ça. Tiens, j'avais récupéré ça. Oh, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. J'ai déjà amélioré un peu son truc. Ça le fait trop. Ça le fait trop. Ça fait vraiment. D'ailleurs, au niveau des armures, vous avez l'armure et vous avez la tenue. Enfin, vous avez l'habit. L'habit et l'armure. Donc là, par exemple, ça prend tout. Voilà, c'est un. Vêtements qui prend tout, habit et armure, là ça prend que l'habit, que l'armure, donc on peut gagner des bonus en fonction de ce qu'on se met dessus. Voilà, je vais finir ça comme ça, et c'est bon. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, des dagues qui sont toujours enflammées, alors ça va être cool. Ça va m'éviter de poireauter à chaque fois qu'il me donne un sort de feu. Mais du coup je me demande si est-ce que je peux mettre autre chose que du feu dessus. Bon, je pense que oui. Du coup ça ferait... un double dégât feu et par exemple un autre élément. Alors je ne sais pas où est-ce que je vais. Mon instinct me dit d'aller par là. Un signe de conquérant. Un crâne, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Est-ce que mon instinct... Ouais, allez, mon instinct me dit va par là. Cherche pas. Va voir qu'est-ce qu'il y a par là. Ça coûte rien. De toute façon, tu vas tout faire. Alors ici, on est... ça redevient une grotte. Et on est avec une porte. Et on est dans le bon sens surtout. Ah mais si, tiens. Le beau salaud. C'est bien la première fois que j'en vois un qui fait ça. Alors ici par contre ça sort. J'ai l'impression. Ça mène où? C'est la sortie, mais si c'est la sortie, on va pas passer par là parce que c'est pas rigolo. Moi je veux pas sortir moi. Alors peut-être que ça mène peut-être à Grande Sorène, pourquoi pas. Pourquoi pas que ça mènerait peut-être à la capitale. C'est tout à fait possible. Ici on peut pas passer, il y a une autre échelle. Et là ça descend.
Ma foi, si on s'enfonce encore un peu. Une porte. C'est assez angoissant. D'accord, il y a un troisième sous-sol, mais c'est trop bien. Il est bien ce donjon. La porte qui se ferme. Il est sympa ce donjon. Du coup, en fait, ça me rassure d'avoir des dagues qui sont toujours enflammées. C'est beaucoup d'ennemis qui craignent le feu. Voilà, on peut passer. Et là, on remonte par ici. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Une pierre, ça ne sert absolument à rien, c'est pas grave. Du coup, on vient ici. Salle de rassemblement, donc c'est là, on était juste en dessous tout à l'heure. C'est bien la porte qui mène jusqu'ici, tout va bien. Eux, ils font le tour, ouais, ils sont un peu moins bêtes que moi. Je vais les attendre. Hein. Je vais les attendre. Et on va y aller. Il y a des bougies partout, ça sent le nécromancien, ce genre de choses. C'est bizarre qu'il n'y ait rien dans cette salle là. C'est solidement fermé. Pardon. T'es en train de me dire que je suis bloqué? Salle de rassemblement. Il y a peut-être un truc à faire. Je ne sais pas. C'est solidement fermé. Je n'ai pas du tout le. Ouais. C'est un cul-de-sac. Mais il y a quand même quelque chose derrière, donc c'est pas totalement un cul-de-sac. Ah, ça sera peut-être utilisé pour une mission, une autre mission. Du coup, est-ce qu'on a autre chose à voir par ici? Non, apparemment, on n'a rien d'autre à voir. Ouais. On n'a rien d'autre à voir, parce que là-bas, ça nous remène vers la sortie. Mais apparemment, ouais, on en a fini pour le donjon. Il doit sûrement cacher une mission spéciale plus tard. Parce que salle de remplacement, de rassemblement, de remplacement, de rassemblement, ça me fait penser, je sais pas, ou je sais pas, une réunion de méchants qu'on pourrait observer, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus, honnêtement, je ne me souviens plus. Peut-être que je l'eusse déjà fait dans la version Xbox. Mais ça m'étonnerait pas que ça mène à Grand Soren ici, que ça mène à la capitale. Je ne serais pas étonné du tout. On n'est pas loin de Grande Sorène, mais on n'est pas. Ouais. Ouais, on est juste à côté, ouais. Cabane de mineurs. Ah oui, j'avais une mission à rendre en fait par là. Ici, il y a des bandits! On revient à nos premiers amours, j'allais dire, putain, il a la même gueule que moi. En plein dans sa face. En plein dans sa face. C'est bien d'avoir des dagues qui ont déjà du feu, quoi. Voilà. Vous voyez que ils utilisent des compétences qu'on peut avoir, des compétences de rôdeur en fait, hein, les archers là. Du coup, je vais les rentrer dessus. Ah, elles sont excellentes ces dagues. Je regrette pas d'avoir été là. Ah, c'est ma petite Alicia qui est décédée. Ça arrive. Hein. Oula.
Voilà. Mon arc est quand même assez plutôt pas mal. Hein. Du coup, attends, on est où là? D'accord, on est côté. On va passer par là. Ouais, c'est partout droit. Je suis pas trop allé par ici dans cette partie. Là, on a des. On a des harpies. Je vais essayer d'en shooter une en plein vol. Merde. C'est comme ça que je vais y arriver. Ouais, il faut que j'attende que. J'attends que je récupère un peu de stamina. J'ai raté encore, hein, décidément. Inutile de s'inquiéter, je suis là. Mais le mec, quoi. Je vous ai pas montré les harpies, donc on va se taper de la harpie. Si j'arrive à les toucher. Voilà. Voilà, bon, celles-là, elles sont faciles, c'est les harpies de base. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, c'est de la harpie, pardon, j'avais pas vu. J'avais pas fait gaffe que c'était une harpie. Un petit coffre. Tiens, j'ai le. Pas fait gaffe, mais j'ai encore ma lanterne. On peut se balader tout le temps avec la lanterne hein, si on veut, ça n'a aucune importance. C'est un peu chiant qu'on ait pas de mini-carte par contre. C'est vrai qu'une mini-carte ça aurait été pas trop mal. Un petit coffre. Avec une bourse garnie. Et la capitale, Grand Soren. Enfin la capitale, je crois que c'est la capitale, hein, il me semble. Hein. Une fois amélioré les dagues, en fait, pas mal. Hein. Je ne sais pas montrer ça non plus, l'amélioration des armes, mais bon, c'est. Des embuscades des gobelins. Pourquoi? Alors, ici, ouais, ici, il y a la carrière. Ah, bah voilà. Des embuscades des gobelins, c'est ça que tu voulais me parler? Et il y en a encore plein d'autres. Si, il y en a par ici les gobelins. Excusez-moi. Excusez-moi, petite bête. Un cerf peut-être? Alors, on va juste aller à la carrière. Alors des fois on y voit pas trop là par exemple. Il a un peu ses pouvoirs magiques devant ma gueule. Du coup j'y vois pas trop. Alors là normalement il est censé y avoir un mec. Si je me souviens bien voilà ouais, qui attend juste que je vienne lui parler je crois. Monsieur. Still rife with monsters, is it? Say, you've half cleared the path already, sir. Fancy finishing the job for her? I've every confidence you'll prevail. D'accord. Bon, le mec nous dit, il y a quelques ennemis. Ouais, je crois qu'il y avait un espèce de gros orc qui était encore là, que j'avais laissé vivant, parce que j'avais la flemme de le faire. C'est parce qu'il y a le plus dangereux les gobelins. Oh bah tiens.
C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus dangereux, les gars. Oh, un petit coffre là. Flèche poisseuse. Des loups. Bon, c'est des loups classiques. Ce sont des loups classiques. Par contre, il y a des... derrière, je vois que les... la forêt a un style un peu différent. Donc on va aller observer ça ensemble. Hein, parce que bon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors ça, c'est un mec tout à fait random. Hein. Ce sont des loups de base, hein, donc ils sont pas vraiment pas très forts. Hein. Les loups blancs sont déjà un peu plus costauds, mais il n'y en a pas par ici. Ouais, là, on voit que la forêt, elle est comme si elle avait été brûlée. Flèche poisseuse, hein, comme vous avez vu, c'est pas c'est une flèche en fait. Vous la tirez sur un ennemi. Et ça lui met du poids dessus, donc le poids c'est le... merde. C'est le truc qui fait que ça va s'enflammer beaucoup plus facilement en fait. Ah ouais, la forêt ici est totalement... totalement déchirée et on a des... nos amis bandits, c'est le jeu où il y a le plus de bandits de l'histoire de l'humanité. Voilà, ça y a plus de... je le touche pas. Et il est trop loin, quoi. C'est bon, tout va bien. Forêt fanée. Ouais, ma foi, dit comme ça, ça prend tout son sens. Mais il doit y avoir autre chose dans cette forêt. Ah, c'est un mec, c'est un mec sympa, ça, non? Ah non, c'est pas un mec sympa. Je sais pas pourquoi il m'a pas attaqué. Tu attaques quoi? On va continuer par ici. Elle m'intrigue, elle m'intéresse, cette forêt. Donc il y a plein de trucs comme ça à trouver, des trucs, voilà, il y a plein de petites plantes comme ça à récolter, ça sert, on peut les combiner, tout ça, il y a un système de combinaison qui est pas mal, je vais vous montrer ça vite fait, ça ce sera fait. En fait voilà, quand vous avez, quand vous récupérez les trucs, même, ne serait-ce que, bah là, des remèdes, hop, je peux les combiner, et là ça m'a fait une liste de trucs. Voilà, et dont un objet que j'ai pas. Et là, ça permet de faire, tel ou tel truc. Du simple sécher, c'est en gros, c'est une potion de soin. Et là, le petit point rouge, ça veut dire que c'est, j'utiliserai celui qui est dans l'inventaire de Alicia. Là, j'utiliserai celui qui est dans l'inventaire de Valkyrie. Voilà, je fais ça, je fais deux, hop. Et je crée deux simples sèches qui donnent des potions. En gros, c'est des potions de soin. Et ici, hop, je pourrais même faire 3. Voilà, et en tout, j'en ai récupéré 6. Et encore un objet que je n'ai jamais vu. Est-ce que ça, je peux combiner? Ouais, je peux combiner avec voilà, un flacon étanche. Ça permet de faire le truc, je peux le garder longtemps. Toutes les viandes aussi. On peut les combiner aussi à ça pour faire des flèches poisseuses. Ah oui, parce que le truc est pourri. Ici, voilà, ça me dit que si je combine ça... avec le couteau, ça peut me faire autre chose. Là aussi, avec les griffes allongées. Filet de bête avarié, avec un tas de minerais. Ça peut faire quelque chose aussi que je ne connais pas. On va essayer avec le couteau. Ça donne une huile de lard. Filet de bête. Allez, qu'est-ce que ça fait avec un tas de minerais? Huile de lard aussi. Et avec ça, des griffes allongées. Création d'huile de lard, c'est marqué dessus.
C'est marqué dessus. En fait, ça peut se combiner avec beaucoup de choses. Puis voilà, vous avez un système de combinaison. Tiens, ça c'est bien combiné. Non. Ça c'est la même chose. Un œuf, c'est la même chose. Ça peut-être c'est d'être flash empoisonné. Fiole de poison. Ici, tissu, carcasse. Hop, je peux le combiner. Flèche poisseuse. La carotte, je peux la garder. Ça, non, ça ne peut pas se combiner. Ça ne peut pas se combiner non plus. Les pierres, ça peut se combiner à chiffon absorbant. À jolie pierre pour un tas de minerais. Détonation à poudre, écume de dragon. Enfin, voilà. Il y a plein de. Voilà. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Ça, on peut combiner un truc pour faire une fiole de poison. Fiole de poison, blablabla. De poids. Ça aussi, ça peut se combiner pour faire du pollen sucré. Flèche de sommeil. Putain, ça doit être pas mal, sa flèche de sommeil. Simple sèche, voilà, avec du vin de nuée. Les jolies pierres, écume de dragon. Enfin voilà, vous avez compris un peu le principe. Il y a certains dénominateurs communs, on va dire. Et bien, en fonction de ça, voilà, vous pouvez faire du craft. Une bête. Je suis méchant. Que je suis méchant. Qu'est-ce qu'il y a déroutant? Comment des bêtes peuvent vivre ici? C'est ça qui est déroutant plutôt. Hop. C'est à moi, non, non, c'est à moi. On va passer par là. Curiosité, quand tu nous prends. Un piège. Je suis passé à travers un piège. Et un piège, je ne sais pas qu'est-ce que ça a déclenché. Ouh, un autre piège ici que j'ai failli rentrer dedans. Comme un gros imbécile. Tiens, le corbeau. Et là, on se retrouve devant une espèce de petit monastère, un truc comme ça. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Petite exploration ensemble pour cette fin d'épisode. N'hésitez pas à me dire après dans les commentaires si vous voulez d'autres petits épisodes. Alors, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais vous montrer. N'hésitez pas non plus à me dire qu'est-ce que vous voudriez voir comme genre de truc. C'est des harpies. À l'abbaye. Oh, tiens, l'abbaye. Oh, bonjour. Oh, oh mais c'est notre collègue du tout début du jeu là. C'est notre ami d'enfance en fait. Un petit peu notre ami d'enfance. Un truc de pour faire invoquer le nouveau pion. C'est pas très sympa en fait. Hein. Moi j'aime pas tellement l'ambiance. On dirait une maison. Ouais. Tu as vraiment le sens de l'observation, il n'y a pas à dire. Hein. Je dis vraiment, tu réfléchis tout le temps quand tu parles. En fait, allez, t'es là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben un coffre. Je savais bien qu'il y avait des trucs. Cantelet de bronze, on est très lourd. Et oui, il casse des trucs, tu sais. Non, mais on est chez les sœurs, hein, quand même, faut se calmer là. À l'abbaye avec une petite musique. Qui va avec, et là je suis totalement épuisé. C'est ça, courir comme un fou. Et là c'est l'abbaye. Et là je dois être à bien au moins 20 heures de jeu, et là qui me dirait putain mais t'as pas avancé et tout, mais t'es mou. Ben ouais, mais enfin moi j'aime bien moi, explorer les trucs, prendre mon temps tranquillement. C'est un jeu qui s'y prête bien. Bonjour mesdames. Merci. Bonjour madame. C'est ça. J'ai tout compris. C'est tout? Bon, c'est tout. Pourquoi il est venu ici l'autre là?
T'es bête. Mais pourquoi t'es venu ici? Bon, mais voilà. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. On est arrivé jusqu'à l'abbaye. Qu'est-ce qu'il y a? La glissade. Wouhou! On est arrivé jusqu'à l'abbaye. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a après par là. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. En tout cas, voilà, je vous ai montré quand même des trucs plutôt sympas. Hein. Si jamais vous voulez voir autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Pour que je fasse d'autres vidéos dessus. Ça sera avec plaisir, parce que c'est un jeu, comme je vous l'ai dit, que j'aime bien. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Il y a un bâtiment plus loin. Bah, dans quel sens? Dans le sens où on va ou l'abbaye? Donc là, vous voyez, il nous dit ça parce que, ben, sûrement, quand il était avec un joueur, ben, putain, il y a beaucoup de gibier ici. Ouais, je pense que si. Je pense que si, quand même. Vu la gueule de la forêt, ça fait quand même bizarre de se dire qu'aucun homme est passé par là. Une fontaine. Enfin, une fontaine, une chute plutôt. Et là, c'est le bout. C'est joli aussi par là. Là, il faudrait peut-être que j'aille voir de ce côté-là aussi. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a là. Pour vous dire, hein, sur Xbox, j'avais joué quand même à peu près autant que là. Je pense que d'ailleurs, j'ai joué plus là sur PC que ce que j'avais joué sur Xbox. Quoique, je ne sais pas. Et j'avais même pas vu l'abbaye. Voilà, pour vous dire. Pour vous dire à quel point je traîne. Et il me semble pas que j'avais vu non plus ce fort là. Et il y a un truc après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il me semble que ça, je l'avais déjà découvert. Ça aussi, ça. Toute une partie là, bien sûr, j'avais tout découvert. Un peu une partie là-haut aussi. Mais pas, je crois pas jusqu'à là-haut. Enfin bref. Je découvre aussi un peu des trucs en même temps que vous là. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur le jeu. Moi, ça me fera très plaisir d'en faire d'autres. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures, la suite ou pas, hein, de nos aventures sur Dragon's Dogma Dark Arisen. Voilà, merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao.